Hello, je suis en train de faire mon montage et c'était juste pour vous prévenir que dans la vidéo vous allez voir qu'il y a des problèmes d'appareil photo, j'en parle beaucoup de fois. Ne vous en faites pas, le problème sera réglé au bout d'un moment. Surtout ne vous inquiétez pas, si je deviens floue au fur et à mesure du temps, ce n'est pas vos yeux, c'est bien mes problèmes de caméra. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo Q&A, chit-chat, get ready with me. Donc je vous ai demandé de poser vos questions sur Instagram. J'ai fait une petite story, d'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas. Donc j'ai toutes vos petites questions et je vais y répondre du coup en me maquillant, en me préparant. Donc je vais juste appliquer de la crème, tout en sachant que normalement je sais pas trop faire deux choses en même temps. Donc ça risque d'être un peu marrant, je vais m'attacher les cheveux quand même. Donc première question, ta série du moment. Alors en ce moment, je trouve que je regarde pas énormément de séries, j'ai regardé tous les trucs un petit peu classiques. J'aimais bien Baby sur Netflix, c'est une série italienne et franchement j'avais grave aimé. Là il y a que deux saisons qui sont sorties si je me trompe pas. La deuxième est sortie juste là il y a quelques semaines, donc j'ai tout regardé d'un coup et maintenant je regarde plus rien. Donc franchement si vous avez des séries à me conseiller, je suis vraiment preneuse parce que moi je sais pas. Avant je regardais 90-210 Beverly Hills, mais c'est vraiment pour se détendre quoi. Hein. Deuxième question, tu préfères travailler en institut ou en parfumerie? Très honnêtement, si vraiment je devais choisir entre les deux, je dirais parfumerie parce que l'institut c'est vraiment pas mon truc. Donc, mais dans tous les cas, moi ce que je préfère c'est vraiment pratiquer le maquillage. Et malheureusement en parfumerie on le fait pas beaucoup et en institut on le fait pas beaucoup non plus. Aimerais-tu avoir des enfants ou te marier et vers quel âge? Oui, j'aimerais avoir des enfants. Je sais pas combien, deux minimum. Vers quel âge? Eh bien, c'est la grande question parce que vraiment pas avant 30 ans, ça c'est sûr. En tout cas, c'est pas ce que je veux maintenant. Après, je ne sais pas de quoi la vie est faite. Mais j'aimerais vraiment pas avant 30 ans pour avoir le temps de faire énormément de choses toute seule et découvrir plein de choses. Parce que après quand on a des enfants c'est forcément plus compliqué. Je suis désolée si j'étais un petit peu floue juste avant, mais j'ai eu un petit problème d'objectif. As-tu le permis? Quelle voiture aimerais-tu avoir? Alors non, je n'ai pas le permis. C'est un gros souci, il faut vraiment que je le passe. Mais j'ai pas pris le temps de le faire. Et c'est vrai que quand on est à côté de Paris, voilà, on sait comment ça se passe. On prend pas énormément la voiture, donc ça retarde encore plus le truc. Et quelle voiture j'aimerais avoir? Et ben en tout cas, si je reste à Paris, il me faudrait une petite Smart. Je pense que ça serait le top parce que c'est une petite voiture qui est pratique. Tu as quel âge? Alors j'ai 19 ans. Quand cette vidéo sera sortie, vous aurez déjà mon vlog d'anniversaire qui sera en ligne, donc je vous invite à aller voir. J'ai fait un vlog de toute une semaine pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui s'était passé, etc. Ton voyage préféré? Alors mon voyage préféré, il faut savoir que j'ai pas fait énormément de voyages, j'ai pas vraiment eu l'occasion de faire énormément de choses, mais j'ai quand même un petit peu voyagé et très honnêtement ce que j'ai préféré, je pense que c'était Londres, parce que je sais pas, j'ai passé vraiment un moment incroyable. Je suis pas restée très très longtemps, ça m'a fait énormément de bien, j'ai beaucoup aimé la ville, les gens, enfin voilà, j'ai vraiment énormément apprécié. Donc très honnêtement, là si je devais aller à un endroit, ce serait à Londres et au Japon aussi. Je rêve d'aller au Japon. S'il y a des filles ou des garçons qui sont déjà allés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que moi j'y pense, je pense tous les jours de ma vie. Des conseils pour prendre un appartement. Alors j'ai fait une vidéo sur comment j'ai, enfin j'ai expliqué comment en fait j'avais trouvé mon appartement. Vous avez été nombreuses à me demander une autre vidéo où je répondais plutôt à vos questions par rapport à ça, donc n'hésitez pas à me demander et je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus si j'ai assez de questions à ce sujet là, parce que vous m'avez suivi, si vous me suivez sur Instagram vous avez vu tout ce qui s'est passé pour mon appartement, j'ai un petit peu galéré à trouver, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que je vous ai vraiment expliqué dans ma vidéo tout ce que j'ai dû faire, ce qui m'a aidé, ce qui m'a pas aidé, etc, etc. Bon, j'ai des petits problèmes d'objectif là, je ne comprends pas, donc j'ai changé, j'espère que ça vous perturbe pas trop et j'espère que ça va pas être flou parce que là je ne comprends pas. Tu as des frères et sœurs? On me l'a beaucoup demandé. Alors il faut savoir que j'ai un frère, un demi-frère, mais c'est mon frère. Et c'est tout. Autre question, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ta chaîne YouTube, à créer ta chaîne YouTube? Alors moi j'ai créé ma chaîne YouTube il y a vraiment pas mal de temps. Je sais même plus quand est-ce que c'était, mais j'étais vraiment très 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 jeune. En fait c'était à l'époque où il y avait vraiment Enjoy Phoenix, vous voyez, un petit peu toutes les premières youtubeuses, Sananas, etc. Et donc du coup moi j'étais vraiment à fond dans tout ça. Je me suis dit j'adore le make-up, j'adore la beauté, pourquoi moi j'en ferais pas aussi. J'étais vraiment très très jeune, donc je faisais des espèces de tuto make-up absolument horribles. Ouais, attends, il y a un problème avec l'appareil photo en fait. Bah je vais t'envoyer une photo. Je peux passer deux secondes? Attends, je vais passer. Bon, je suis vraiment vraiment désolée, je suis obligée de changer de caméra et la qualité est beaucoup moins bien, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Ça m'a beaucoup énervée cette histoire. Et donc du coup j'ai créé ma chaîne YouTube un petit peu à ce moment là, quand
quand les youtubeuses commençaient à être vraiment quelque chose. Et en fait j'ai trop aimé, donc j'ai fait ma chaîne. Et au début j'étais régulière, donc ça marchait plutôt bien. Et après bah voilà, j'avais l'école, les machins, les trucs, qui a fait que je pouvais pas du tout être régulière. Et ensuite en fait j'ai fait des tutos make-up vraiment avancés. Et ça vous avait vachement plu, mais c'est pareil, je ne pouvais pas trop être régulière parce que j'avais, enfin, toute ma vie à côté quoi, donc c'était un peu compliqué. Et au final maintenant septembre 2020, ça y est, on est régulière, 2 vidéos par semaine, mercredi, dimanche. Très très contente, j'aime trop ça. Ce qui me passionne dans YouTube, c'est vraiment le partage, partager mes connaissances. Je suis passionnée par énormément de choses, que ce soit au niveau du maquillage, de la santé, de la beauté, de l'alimentation, du sport. J'aime énormément tout ça et c'est vraiment un plaisir d'en parler dans les vidéos. Vous le sentez de toute manière, vous me le dites tout le temps que c'est ma passion, parce que quand j'en parle, ça me rend heureuse, j'adore ça. Donc ça me rend encore plus heureuse de pouvoir vous conseiller, qu'on puisse discuter, se conseiller un peu mutuellement. Et ça, c'est vraiment, je trouve, le mieux sur YouTube. Enfin, c'est ce que je préfère. Je finis juste mes sourcils parce que c'est vraiment pas facile de les faire en parlant. Prochaine question, tu te vois où dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, je me vois toujours sans enfant, déjà. Franchement, en fait, je sais pas. J'espère que j'aurai fait énormément de voyages, que j'habiterai dans un autre pays et que je serai heureuse. Voilà, c'est ce que j'espère en tout cas, parce qu'après, où je m'imagine exactement, j'en sais rien. Je peux même pas vous dire où je m'imagine, ce que j'imagine faire en janvier 2021. Donc dans 10 ans, c'est impossible pour moi. Quel est ton blush favori? Donc c'est vraiment des questions toutes mélangées, hein. Je voulais répondre aux questions que vous posiez sans vraiment faire un thème particulier. Mon blush favori, c'est le blush de chez, je l'ai là, Sweet For My Sweet de chez MAC. Extra Dimension, je l'adore. J'ai fait une vidéo, si jamais ça vous intéresse, sur tous mes produits favoris dans le maquillage, tout ce que j'utilise le plus et depuis le plus longtemps. Donc vous pouvez retrouver là-dedans les références, bah déjà du blush et en plus de d'autres produits que j'aime énormément et que j'utilise vraiment quasiment tous les jours. T'as fait quoi comme étude? Alors moi j'ai fait un bac pro esthétique parce que l'école ça n'a jamais été mon truc et que je voulais être maquilleuse et rien d'autre. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? L'école je peux pas en faire parce que je suis mineure. École privée, la formation de maquillage, donc je veux me rapprocher le plus possible du maquillage, m'y connaître sur la peau, sur plein de choses. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 3 ans d'esthétique, du coup j'ai passé un CAP et un bac esthétique. Donc je trouve ça vachement bien parce que même si ça me passionnait pas énormément, parce que l'esthétique c'est quand même pas mon truc, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est le maquillage, on apprend énormément de choses au niveau de la peau, corps, de tout, c'est très important, la vente, plein de choses. Donc c'est vraiment super de le faire. Ça m'a permis aussi de faire des stages, de travailler dans des spas, des instituts, etc. Donc connaître un petit peu du monde, toucher un petit peu à la clientèle, donc ça aide aussi. Et ensuite j'ai fait une école de maquillage. Voilà, c'est tout. Une autre question, quel est ton plus grand regret? J'ai pas un énorme regret dans ma vie d'avoir fait quelque chose de particulier, mais plus j'y pense, plus je me dis, je regrette de pas avoir été régulière sur YouTube pendant tous ces mois où j'ai fait des pauses, où je suis revenue, après je suis repartie, etc. Ça vraiment je regrette énormément, parce que je pense que ma chaîne aurait vraiment pu démarrer vraiment plus vite et plus si j'avais été plus régulière, enfin ce qui est logique dans tous les cas. C'est pas mon plus grand regret de ma vie, mais parfois j'y pense et franchement je regrette. Après il n'y a pas d'autres sujets qui me font particulièrement regretter. Niveau pro, qu'aimerais-tu faire plus tard? Alors j'ai toujours voulu être maquilleuse et formatrice dans le maquillage, mais là je suis vraiment dans une optique de faire des vidéos sur YouTube et d'aider un maximum de personnes à faire plein de choses, que ce soit bah, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, pour le maquillage, pour la santé, pour absolument tout. Et c'est vraiment mon but ultime sur YouTube. Je suis plus dans l'envie d'être à fond sur YouTube que d'être maquilleuse. Donc c'est mon projet actuel, c'est vraiment YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai tout arrêté. Je fais encore un petit peu de maquillage à l'extérieur, mais pas énormément. J'ai vraiment tout arrêté et je passe vraiment mes journées à faire YouTube. Vous m'avez envoyé des messages trop mignons, je t'adore, t'es ma youtubeuse favorite, etc. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Vraiment, vous avez pas idée de comment ça me fait trop plaisir. Ma marque de maquillage préférée. Alors ça c'est une bonne question, parce que c'est toujours très dur, comme j'utilise plein de marques différentes. J'ai jamais une marque, enfin si justement, mais c'est rare quand même d'avoir qu'une seule marque que j'utilise pour plein de choses. Mais je me suis rendu compte que la marque que j'avais le plus et dont j'étais jamais déçue, c'est vraiment MAC. Franchement MAC, j'ai jamais eu de problème, sauf les pinceaux qui perdent leur poil, mais sinon j'ai jamais eu de problème. J'aime beaucoup cette marque.
quels sont tes magasins de vêtements préférés? Alors, mon magasin de vêtements préférés, je dirais niveau rapport qualité-prix, Zara, parce que c'est totalement mon style, c'est pas très cher et c'est quand même des vêtements qu'on arrive à garder. Parce que par exemple, Primark, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça coûte rien, mais ça tient vraiment pas dans le temps. Et Zara, je trouve que ça va. Et sinon, dans les marques un petit peu plus chères, là, j'aime, en ce moment, je suis vraiment à fond dans Sandro. J'adore Sandro, mais vraiment, j'adore. Voilà, j'ai acheté pas mal de trucs récemment et j'aime trop. Dites-moi ce que vous aimez ou si vous avez des sites à me conseiller, que j'ai besoin de plein de petits trucs d'hiver là, j'ai plus rien. Autre question, quand on a eu le cœur brisé et qu'on est incapable de reparler à un nouveau garçon, des conseils. Pour moi, si jamais vous sentez que vous avez le cœur brisé, que vous avez de la peine, vous êtes triste et que vous êtes toujours pas remise de la rupture, remise bien sûr. Pour moi, il faut pas se forcer à parler à d'autres gens. Moi, je sais que c'est quelque chose qui marche, voilà, me changer les idées, etc. Mais ça marche pas pour tout le monde. Si vous vous sentez pas prêt ou prête, ça ne sert à rien de se dire il faut que je reparle à quelqu'un, il faut que je fasse ci, il faut que je me remette en couple. Pas du tout, au contraire, ça ne nous aide pas forcément de penser comme ça, parce que du coup on se met la pression pour se remettre en couple, pour reparler à quelqu'un ou refaire quelque chose, et au final parfois on n'y arrive pas parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas dans le mood, on n'a pas vraiment envie, donc du coup on se pose plein de questions, est-ce que je vais réussir à me remettre en couple un jour, et nanani nanana. Ça c'est vraiment pas très très bon, donc moi je vous conseille vraiment de faire comme vous le sentez. Si jamais vous n'arrivez pas à parler à quelqu'un, c'est que vous n'êtes pas encore prêt, tout simplement. Faut vraiment pas se mettre la pression par rapport à ça. Il faut d'abord essayer d'être en paix avec soi-même, même si c'est pas facile. C'est important à mon goût de faire ça. Et vous êtes tellement nombreuses à me demander sur Instagram, je vois vos messages, vous me demandez des conseils en amour, etc. Parce que vous pensez que moi, comme mon copain a 10 ans de plus que moi, je suis une experte, mais non, hein, je suis comme tout le monde. Hein. Là, je ne change rien. Et dernière question, quels sont tes projets pour ta chaîne YouTube? Alors, j'aime beaucoup cette question, car j'en ai pas mal. Donc là, ce qui est prévu, j'ai terminé de maquiller, donc je vais arrêter de maquiller. Tout va bien. Donc ce qui est prévu pour ma chaîne YouTube, c'est de faire plus de vlogs. Donc là je filme avec ma caméra de vlog, c'est pour ça que la qualité est un petit peu moins bien parce qu'elle est plus petite. Faire plus de vlogs, c'est clairement mon objectif parce que je trouve ça trop bien. Déjà moi j'en regarde énormément sur YouTube. J'aimerais en faire parce qu'il y a quand même quelques trucs que je pourrais vous montrer sympathiques et moi je trouve ça très cool à regarder. Faire aussi plus de vidéos make-up, c'est pas facile parce que le make-up j'en mange tous les jours. Donc j'ai pas forcément la motivation d'en faire, surtout que vous savez j'aime pas me maquiller, j'aime maquiller les autres. Mais je vous en fais, hein, n'oubliez pas que c'est toujours une vidéo de make-up tous les dimanches à 10h sur ma chaîne. J'aimerais faire moins de face cam, donc même si c'est pas forcément des vlogs, j'ai envie de faire moins de vidéos, voilà, devant mon lit, etc. Évidemment de toujours en faire, mais un petit peu moins, j'ai envie de changer à ce niveau là. Moi en tout cas c'est ce que vraiment je recherche quand je regarde une chaîne YouTube, c'est qu'il y a un petit peu de tout, même si c'est le même sujet, c'est des formats différents, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça c'est vraiment mon objectif sur ma chaîne, et évidemment de vous répondre un maximum, de communiquer avec vous et de faire ce qui vous plaît aussi, pour que tout le monde soit content, autant moi que vous, et d'évoluer sur cette lancée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai répondu à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous savez, en commentaire ou en message Instagram, je vous réponds. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, du coup vous verrez que je poste plus souvent, évidemment c'est plus simple et plus rapide, c'est facile pour communiquer, donc n'hésitez pas à les voir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent, ça fait toujours plaisir et c'est ce qui fait qu'on augmente en communauté et c'est très cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.